On est de retour avec Théo sur Satisfactory, voilà, coucou. Et pas Satisfactorio. Alors comme vous le voyez, on a changé absolument toute la base, mais franchement, c'est beaucoup plus réussi que la première fois, Théo. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, bien sûr, je vous invite à aller la voir. On est vraiment organisé sur ce coup-là. Par contre, il manque de l'essence, Théo. Là-haut, c'est le cuivre. Donc le cuivre qui descend tout doucement jusqu'à là-bas. Ici c'est le calcaire. Et donc on a fait carrément un lieu de stockage. Quel va être l'objectif de cette vidéo, Théo? L'objectif de cette vidéo? Oui, quel va être l'objectif de cette vidéo? Bien sûr, toujours, hein, oubliez pas de lâcher un petit like. Ça fait toujours plaisir. Et puis abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Tout est dans la description. Le jeu, vous pouvez le retrouver moins cher sur G2A, bien entendu. Non, je crois pas qu'il est sur G2A, celui-là. Mais il sera peut-être bientôt sur G2A. Mais en attendant, vous pouvez trouver d'autres jeux moins chers sur G2A. Comme Scrap Mécanique. C'est un exemple parmi tant d'autres. Je vais aller chercher un petit peu d'essence. Il y a 2-3 lagounets quand même, des fois, tu vois. Des fois, je le trouve pas très fluide, le jeu. Il y a combien de hubs en tout à augmenter? Parce que là, on est au hub 5, je crois. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 paliers au total. Ouais. Et dans chaque palier, visiblement, il y aura 4 trucs. Donc tu fais, sachant qu'on a déjà fini un palier, tu fais 4 fois 8. 4 fois 7. Ah ouais. Ah bah ça fait pas 28. Mal. Tu peux manger pour gagner de la vie. Mais manger quoi? Il va revenir bourré. Bah comme ça, sûrement. Ah bah oui, comme ça. Ah bah il y a le gros truc qui est revenu. Tu les mets dans ta main et tu manges. Alors c'est quoi le but de ce jeu? On va récapituler pour les gens qui n'étaient pas là la première fois. Donc le but du jeu, c'est de construire une usine tout automatisée. Faut vraiment qu'on automatise tout, c'est d'automatiser des chaînes en fait. Alors là bien sûr, c'est plus dégueulasse comme le premier coup, hein. Là on est vraiment bien, quoi. Par contre Théo, regarde, ça tourne pas ici. Ouais, ce serait bien de se crafter un coffre spécialement pour nous, tu vois. À mon avis, il va y avoir des armes, Théo. Pourquoi? Parce que regarde, il y a des cibles. Peut-être que par la suite, on pourra faire des générateurs solaires ou quoi, tu vois, il y a moyen. Hein. Alors attends, maintenant qu'il y a le plein, je regarde si ça tourne. Il n'y a pas grand-chose qui tourne là. Hein. Voilà. Ça vient pas là-bas. Ah, parce que regarde, là, c'est par lié, ces deux poteaux. Voilà, ouais, faut que tu le relis, vas-y. Ah ouais, et ça fait beaucoup plus propre. Hein. Ça fait beaucoup plus propre que tout à l'heure, mon gars. Alors t'as pas fait sauter tous les plombs parce que là-bas, ça marche. Hein. Le calcaire, il tourne. Hein. Ah, oh, purée. Là, t'as fait sauter les plombs, là. Ah, d'accord, ok, c'est ça qui fait sauter les plombs. Oh, ça marche. Ok, c'est bon, ça arrive, Théo. J'arrive en même temps. Je me laisse couler sur le convoyeur, mon gars. Tu vois, faudrait qu'il y ait moyen de relier deux convoyeurs ensemble. Mais je crois qu'il y a moyen, attends. Peut-être pas tout de suite. Attends, je vais faire des fils électriques. Ouais, il nous faut masse de cuivre. Ah non, les fusibles, ils ont pété les fusibles ici. C'est pour ça que ça tournait pas. Ah, par contre, faut aller rechercher de l'essence. Attends, bah moi j'éteins tout là. Tant qu'on n'a pas tout relié, j'éteins tout parce que les feuilles, c'est chiant de le ramasser, mon vieux. On optimise la place. Là. Ah, t'as vu, ça s'use moins vite les fleurs. Ça s'use beaucoup moins vite. Vas-y, j'en ramasse quelques-unes aussi là. Donc ça, c'est intéressant, franchement, que les fleurs consomment moins que les feuilles déjà. J'avais pas forcément remarqué au tout début. Ouais, donc à mon avis, tu sais quoi? 200 fleurs, c'est l'équivalent de 500 feuilles, je pense. Mais ça s'est arrêté là. Ah, les plombs du poteau, ils ont dû... Non, ici ça marche. Oh, regarde, c'est pas relié ici. Ah, voilà, c'est ça qu'il faut crafter, biomasse. Attends, bah tiens, j'ai des feuilles si tu veux. Bah j'en craft là, apparemment, ça consomme moins. Améliorer le hub pour avoir le tapis roulant qui relie deux sorties en une. Ah d'accord, ah ouais. Ah merde, je peux pas en mettre deux en même temps. Attends, je vais voir s'il y a du calcaire dans le coin. Ouais, tu vois, quand la roche est apparente, tu prends plus. Hein. Hop. Là, crac. Par contre, ouais, j'aurais pas assez pour faire des convoyeurs. Hein. Ah, yes! Ça y est, c'est bon. Enfin! Le calcaire qui arrive. Le calcaire, c'est bon. Ça, c'est de la ferraille. La ferraille, c'est bon, ça travaille. Le cuivre, ça travaille. Le calcaire de l'autre côté, ça travaille aussi. Et c'est quoi, ça? Il y a un truc qui est vide. Oui, non, mais ça, c'est le calcaire qui arrive. Il y a du calcaire qui arrive? Bah oui, celui que tu viens de relier. Je pouvais pas le mettre sur les deux, sur le même truc. Ouais, d'accord. Ok, ok. Tu passes par un constructeur ici. Et là, donc, les plaques de béton vont sortir. C'est ça? Ouais. Ouvre le terminal. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Oh, c'est quoi ça? What? On appuie? J'ai appuyé. Ça, c'est quoi? Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai appuyé. Non, non, il s'envole. Qu'est-ce qu'il fait, ce machin, mon gars? Ah, il me semblait bien qu'il y avait un truc qui décollerait sur le toit. Il est parti, là. Oui. Je le vois encore comme une petite mouche dans les airs. Il est tout petit, un petit point noir. Moi, c'est un pixel. Oui, bah moi aussi, c'est un pixel, maintenant. Mais je le vois encore. Ah non, là, je le vois plus, je crois.
c'est cool, je vois plus là, c'est une tache sur mon écran. Allez, je vais mettre ça là pour l'instant. Yes, alors, c'est bon, j'ai tout relié, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais regarde un peu à gauche. Oh, la capsule, regarde, elle revient. Elle est revenue, mon gars. Ah, what? Ouais. Bah, ça attends, y est, c'est posé. Tour d'observation, mon gars. Tu sais qu'on peut crafter une tour d'observation? Non, mais t'as pas vu que je suis dessus depuis tout à l'heure? C'est pour vrai. Où est-ce que t'es? Regarde en haut. Ah ouais, mon gars. Ah ouais. Putain, mais toi, tu vas trop vite, toi. Eh, tu sais qu'on pourrait faire une usine avec des murs et tout, mon gars. Mais un truc immense. Moi, je te dis, tu sais quoi, Théo? C'est pas la bonne place qu'on a pris ici. Ils savent. Tu peux détruire? Non. Non, on l'a déjà fait deux fois. Tu croirais pas, je suis EDF là-dedans? Bien sûr que ça a bien avancé. Mais attends, il a été amélioré le hub. Palier 1, on est au palier 2. Hein. Oui, je sais, ça fait depuis tout à l'heure. Ah non, on est au palier 1. Logistique. Palier 1, logistique. Bah, mon gars, le jeu, bah, on l'a pas fini. Hein. Oh. C'est long. Ah, va y avoir un souci là. Non, quoi que non. Non, 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 pas de souci. Autant pour moi. Et donc, ça, je vais dire de construire. Je vais dire de construire des tiges de fer. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, c'est joli. Ah ouais, non. Ah, t'as fait un étage, mon gars. Ah, faudrait remettre des convoyeurs là-haut, là. Oh là là, ce bordel, mon gars. Oh. Ah, c'est énorme. J'adore quand ça tourne comme ça, là, tu vois. Donc, là, tout ça, ça tourne, ça tourne. Les tiges de fer, ça tourne. Eh, franchement, mais c'est tellement... C'est énorme. Tu sais que ça fait longtemps qu'on n'a pas vérifié le plein, Théo, hein. C'est vrai. Eh ouais, hein, heureusement que je suis là pour le faire. Hein. Ah bah non, j'ai rien pour faire le plein. Ah, ça, c'est la corvée, l'essence. Hein. Hein, c'est moi qui m'y colle, Théo. Hein. Eh, avant, c'était moi aussi. Hein. Hein. Avant qu'on découvre la biomasse. Je vais souvent faire le plein. Ça va bientôt s'arrêter. Je vais aller faire de la biomasse. De la biomasse. voilà. Allez, on va faire quelques trucs comme ça. On peut pas faire de la biomasse avec des fleurs? Non, visiblement. Ah bah non. Ok, d'accord. Eh, la biomasse, mais ça consomme carrément... ça consomme carrément moins. Et donc là, on est parti pour... Tu vois, regarde. Théo, il nous faut du coup... donc, on est toujours au palier 1. Tu te rends compte? On est toujours au palier 1. Toujours. Il y a une position qui est partie sur ma caméra. Elle était énorme. Quand je dis toujours... Je vais te dire qu'il est parti comme une fusée, celui-là. On n'est même pas au palier 2, hein. Il nous faut maintenant, bon, ça, tout ça, on l'a débloqué. Maintenant, c'est la logistique séparate. Productivity display. Ah, yes, tu vois. Déjà, on me dit que la mycélia a fini d'être analysée. Donc, il nous faudra le séparateur de convoyeurs. Et il nous faut, il faut qu'on fasse ça. Hein. 200 plaques de métal, 200 tiges de fer et 500 fils électriques. Eh ben, mon petit vieux. On n'est pas arrivé. C'est ça que je veux te dire. Tu prends les barres de fer. Moi je vais prendre les fils électriques. Yo fan de Jolat qui me dit yo, ça fait longtemps Jolat. Bah ça fait sûrement longtemps que t'es pas venu en fait. Et du coup tu n'es sûrement pas fan de Jolat en fait. Mais salut à toi. Bienvenue, j'aime bien ton pseudo. Fait plaisir. Attends, lance pas la fusée. 3, 2, 1, go, ignition. Vas-y, go Théo. Vas-y, je suis sur la tour d'observation, je regarde la fusée. Logistique, oh, ok, d'accord. Oh, eh, mais elle est plus badass que tout à l'heure, mon gars. Je sais pas, j'ai pas fait gaffe. C'est pas la même, hein. Ah non, c'est pas la même, mon gars. Je peux pas. Non, 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 moi je te le dis, c'est pas la même. Bah, tu vas voir quand il va revenir, Iron Man, là, mais c'est pas la même du tout. Hein. Du coup, regardez comment il est beau. Regardez, on voit encore un petit pixel. Hop, on le voit encore, on le voit encore, on le voit encore. On le voit encore. Et c'est quand il revient que la logistique est finie? Dans à peu près 40 minutes, 40 secondes. Ouais, là, en tout cas, bah écoute, déjà, on a débloqué le Product Display, séparateur de convoyeurs et groupeur de convoyeurs. Ah ouais, déjà? Bah ouais, mon gars, bah oui. Putain, on se rend même pas compte, mon vieux, on avance, on se rend même pas compte, je te jure, quoi. Il arrive. Bon, par contre, il arrive à toute vitesse. Et regarde, il a changé. Il a grossi, mon gars. Non? Je sais pas, j'ai pas l'impression. Mais je te jure. Mais en fait, qu'est-ce qu'il fait, ce machin, quand il part? Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi son but dans la vie, en fait?
Il va chercher les matériaux, je dirais. Bah, enfin, je pense. Ouais. Ouais, ouais. Non, c'est quand il part. What? Putain, mais. C'est toi, Théo, ça. Oui. Ouais, t'es vraiment un enfoiré. Est-ce que t'as... Est-ce qu'on a un séparateur de convoyeurs maintenant? Oui. Je pense que si on va dans logistique. Groupeur de convoyeurs, c'est pas mal ça. Ce qu'il y a, c'est que c'est ça dans le jeu. Tu construis, et au fur et à mesure que tu veux changer ton usine, tu vas être obligé de déconstruire, de déstructurer ton usine pour la reconstruire après. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est ça. Eh, par contre, ça faut les éteindre, hein, putain, cochon. Hein, ça se voit, l'essence, ça coûte pas cher. Hein. Ça se voit, c'est pas toi qui fais le plein. Bah, eh, t'as pas regardé dans le coffre? T'as pas regardé dans les coffres, toi? J'avais fait non, masse truc, bon, hein. C'est moi qui me tape le plein des machines, là. Quand tu vois, comme tu te dis ici, hein, moi je vois pas là où t'es exactement. Ouais. Bah, regarde ta boussole. Regarde la boussole. Ici. Bah, j'espère que c'était ici de toute façon parce que je l'ai relié là. Voilà. Et là, franchement, là, Théo. Là. Mais alors là. Là, on est pas trop mal là. Voilà. Ah, faut que ce soit symétrique. Toujours. Si c'est pas symétrique, c'est pas bon. Ah, yes. Ça, c'est propre ça. Ça, c'est propre, Théo. Ça. Ouais. Eh, c'est trop stylé, franchement. C'est stylé ce qu'on a fait là. Et là-bas, ça te sort quoi? Ouais, plaque de fer, c'est ça. Combien de temps de jeu pour faire ça? 5 heures. 5 heures de jeu, on a fait tout ça. Et franchement, mais on a avancé de ouf. Par contre, il marche pas le calcaire, Théo. Bah non, je sais, parce que j'en suis au cuivre là. Et comment que ça se fait qu'il marche pas le calcaire? Vu d'ensemble, sur l'usine. Un petit peu quand même, hein. On est plutôt pas trop mal, vous voyez ce que je veux dire? Regarde, franchement, on a fait des sols et tout, tu vois. Prochaine étape, faut qu'on fasse des murs carrément, Théo et tout, tu vois. Mais avant de faire des murs, faut faire encore plus de sols. Mais t'as permis de trucs dans moi j'ai pas fait le plein, Théo. Hein. Combien de fois j'ai fait le plein? Ah, ça, si! Hein, tu leur as pas dit ça, hein? Combien de fois c'est moi qui ai été faire le plein? Ah, par contre, j'en ai cueilli de la pâquerette, mon gars, pour aller faire le plein. Ça, tu peux y aller. Hein. Bon, Théo, est-ce qu'on se donne rendez-vous dans le prochain épisode pour la Jola Théo Compagnie? Bah ouais, vas-y. Hein. Ouais, ouais. Oh, je te sens pas jovial, là, Théo, là. Bon, allez, on se dit à plus tard et ciao. Bye bye. À plus. Au revoir. Au revoir.